مرحبا بكم. حصة اليوم بتكون مخصصة لمادة الفرنسية وما أدراك ما مادة الفرنسية. معنا في البلاتو الأستاذة تيسير الخميسي، مرحبا بك. والأستاذ محمد زيان، مرحبا بك. على أقصى يساري معنا الأستاذة، أو بالعكس على يساري، الأستاذة فوزية عاشور، مرحبا بك. على أقصى يساري الأستاذة فاطمة الغربي. في استوديو الفرعي معنا المتفقدة الأولى للمدارس الإعدادية والمعاهد جليلة بن زينب، لتلقي مكالماتكم اللي باش تكون على رقم 71 84 53 00 أو 71 84 88 08. ننطلق على بركة الله في حصة اليوم. أستاذة جليلة. بونسوار. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous aider à préparer l'épreuve de français, nous nous proposons lors de cette émission de répondre à vos questions et de vous donner quelques conseils utiles. Mes collègues ici présents vont vous rappeler le programme de la section lettres, celui des sections scientifiques, puis ils vont répondre à vos questions, mais avant... Ils vous présenteront aussi une présentation matérielle de l'épreuve du français. Donc, je leur cède la parole. C'est M. Zayen qui commence. Merci, Mme Jalil. Chers élèves, je commence par vous donner le programme de la section lettres. C'est un programme que vous avez certainement étudié. Bon, le premier chapitre, bon, il y a 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est celui du partage. C'est un chapitre assez riche, assez varié, dans la mesure où le partage, ça touche tous les aspects de la vie aujourd'hui. Comme deuxième chapitre, vous avez étudié l'engagement littéraire. Donc c'est un thème qui touche le statut de l'écrivain. Est-ce que l'écrivain doit-il parler de lui-même? Doit-il puiser son inspiration dans le monde qui l'entoure? Comme troisième thème, il y avait la modernité, bien l'appel de la modernité. C'est le titre du troisième chapitre. La modernité, le progrès, l'effet du progrès, que ce soit un effet positif, un effet négatif sur la vie, sur la mode, sur la technologie. Comme quatrième chapitre, je peux mentionner bien sûr à la lumière de la raison. Il s'agit d'un regard critique sur tous les aspects de la vie moderne. D'accord. Et enfin, c'est le chapitre intitulé Poésie. C'est un chapitre typiquement littéraire, où il est question bien sûr de ce genre littéraire, les formes littéraires, la fable, le poème en prose, le sonnet. Bien sûr, vous avez certainement... fait connaissance que certains écrivent, certains poètes, d'accord, Ronsard, Baudelaire, Lamartine et autres. Bon, avant de passer la parole à Madame Gharbi, bien sûr, j'aimerais bien vous rappeler que entre les cinq chapitres, il y a beaucoup de relations, beaucoup de similitudes. Tel est le cas, par exemple, de la poésie avec l'engagement littéraire. Ou bien la modernité avec la lumière de la raison, ou encore, bien sûr, le thème du partage en relation étroite avec la poésie. Et maintenant, je cède la parole à Madame Gharbi, qui va vous parler du programme des autres sections. Bonsoir, Madame. Merci, Monsieur Zayen. Pour ce qui est des autres sections, le programme comporte 5 thèmes, souvenirs et nostalgie, un thème qui aborde le vécu ou les expériences individuelles de certains écrivains qui ont évoqué leurs souvenirs, comme Signol et son grand-père, Proust et sa Madeleine, Lamartine et le souvenir d'Elvire dans le lac. Puis nous avons Histoire d'amour. Et là, il s'agit de certains récits de couples mythiques ou amoureux célèbres, comme Roméo et Juliette, Paul et Virginie, Tristan et Iseut, Julien Sorel et Madame de Rênal. Le thème suivant est « Liberté, j'écris un nom », où il est question de la définition de la liberté, de ses limites,
de l'absence ou du manque de liberté dans certains aspects de la vie. C'est aussi la liberté d'expression, l'esclavage, la liberté de la femme. Par la suite, nous avons « Guerre et paix », un thème toujours d'actualité, où il est question, des raisons qui poussent au conflit armé, des conséquences dramatiques de la guerre ou encore des guerres de libération. Enfin, le dernier thème, l'homme et la science, traite des effets du progrès scientifique sur la vie des hommes. C'est aussi le rapport entre science et éthique. Encore une fois, comme l'a fait M. Zeyen pour les littéraires, je vous rappelle qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les thèmes. Ainsi, il y a toujours des passerelles entre le souvenir et l'amour, la liberté et la guerre, la science et la guerre, la liberté et l'amour, pourquoi pas. Bon, alors après ceci, je vais céder la parole à Madame Khamesi, qui va faire le descriptif des épreuves. Madame. Merci beaucoup, Madame Gharbi. Comme vous le savez, chers élèves, l'épreuve de français comporte deux volets, une étude de texte et un essai. Alors, moi, je vais faire le descriptif de l'étude de texte. Le texte proposé portera sur un ou plusieurs thèmes étudiés en classe. Bien sûr, le texte peut être un poème, un texte en prose, un article ou autre. On vous proposera 3 ou 4 questions de compréhension qui porteront sur les idées principales du texte. Ce sera, si vous voulez, un grand A. En grand B, on vous posera des questions de langue sur des faits grammaticaux vus en classe, tels que, à titre d'exemple, les rapports logiques, modes éteints, la voix passive, la voix active, etc. Voilà, je cède la parole maintenant à Madame Achour, qui va vous parler du deuxième volet de l'épreuve, à savoir l'essai. Bonsoir. Merci, Madame Khamesi, d'avoir développé ce premier volet de l'épreuve de français. Je vais maintenant vous parler de l'essai, qui, ne l'oubliant pas, est noté sur 10 points. Alors, l'essai peut comporter une phrase prise dans le texte, suivie d'une question et d'une consigne. Il peut aussi se présenter sous la forme d'une idée en rapport avec le texte ou le thème et sur laquelle vous êtes appelé à exprimer votre point de vue. L'essai est noté sur, selon un barème et des critères d'évaluation. Alors, il y a le premier critère qui est la compréhension du sujet et la cohérence de votre devoir. Le deuxième critère, c'est la correction linguistique. Et le troisième critère, c'est la pertinence des arguments, des exemples et bien entendu la progression de votre devoir. Je rappelle que ces critères sont appliqués dans toutes les sections. Bien sûr, le barème n'est pas tout à fait le même pour toutes les sections, mais les critères d'évaluation sont appliqués. Nous attendons donc maintenant vos questions. La régie, alors c'est à vous pour les questions. شكراً للأساتذة. نرجع للبلاتو نتاعنا الفرعي اللي بقيادة السيدة والأستاذة جليلة بن زينب متفقدة الأولى للمدارس الأعدادية والمعاهد، معها مدام والأستاذة أمال زواوي والأستاذ فوزي السعيدي. ننتظر أسئلتكم، تفضل. Alors ici nous avons recueilli ma collègue et moi beaucoup d'interrogations de nos élèves qui voudraient des éclaircissements à propos de quelques points qui leur paraissent encore un peu ambigus. Par souci méthodologique et pédagogique, nous avons réparti les différentes questions en 3 groupes correspondant aux différentes parties de l'épreuve de français, c'est-à-dire selon qu'elle porte sur la compréhension ou qu'elle porte sur la question numéro 2, c'est-à-dire la question de langue, à savoir la grammaire et le vocabulaire, ou selon qu'elle porte sur la question 3, c'est-à-dire l'essai. Et pour commencer, voilà, nous vous envoyons déjà un lot de 4 questions qui apparemment sont d'un grand intérêt pour les élèves. Les questions, question 1 ou numéro 1, comment répondre à une question de compréhension? Vous pouvez les noter. Question numéro 2, comment justifier une question de compréhension? 3, que faire si la question demande plusieurs éléments du genre
quels sont les sentiments ou quels sont les effets. Et quatrièmement, comment répondre à une question qui porte sur les procédés d'écriture. Voilà pour l'instant ce que nous avons reformulé pour vous et à vous de répondre. شكرا استاذ فوزي شكون حاب يجاوب على السؤال هذه تفضل استاذ زيان مالك merci monsieur Saidi donc je vais répondre à la première question de votre premier lot je cite la question je répète la question comment répondre à une question de compréhension bien pour répondre à cette question pour répondre à la façon de répondre j'aimerais bien vous présenter la façon idéale pour qui vous permettra de bien répondre à cette question-là. Donc la réponse à la question de compréhension suppose trois parties. Donc, comment répondre à une question de compréhension. Donc, il y a trois étapes. D'accord. La première étape, c'est bien lire la consigne. D'accord. Il faut bien lire la consigne parce que la lecture de la consigne vous permettra de connaître votre tâche. Qu'est-ce que vous devez faire à travers cette consigne, d'accord? Parce que donc, dans la consigne, il y a déjà le type de question, d'accord? Phrase interrogative. Il y a une interrogation, d'accord, du genre quels sont les sentiments, par exemple, d'accord. Et là, ça suppose, bien sûr, ça demande un travail de repérage, d'accord. Il y a aussi le verbe à l'impératif. Le verbe à l'impératif, d'accord. Par exemple, dans certaines questions où il y a le verbe à l'impératif, on peut donner relever dans le texte, d'accord. Il y a aussi une autre tâche, peut-être proposée. C'est la tâche, bien sûr, reformuler. Il faut reformuler l'idée de l'auteur. D'accord? Puis, je vais passer à la deuxième étape. C'est souligner les indices pendant la lecture. Et ces indices-là, bien sûr, vous permettent, bien sûr, de répondre à la question demandée. Enfin, la troisième partie, la troisième étape, c'est la rédaction. Ou bien rédiger. D'accord? Et la rédaction, bien sûr, vous devez éviter la paraphrase. Donc, voici comment répondre à une question de compréhension. Ça m'est dit, va, haoul, sou, el, hida. Je prends le plaisir. Monsieur Zayen a tout dit. Oui, madame. Et je passe la parole à madame. Madame Taïsir. Khamessi. Fadal, madame Khamessi. Comment justifier, c'est ça la question, comment justifier une question de compréhension, n'est-ce pas? Voilà. La justification d'une question de compréhension peut être opéré de deux manières différentes. Vous pouvez justifier, la première manière, vous pouvez justifier en expliquant, en reformulant les idées de l'auteur sur lesquelles portent les questions.
Ça, c'est la première manière, c'est-à-dire vous allez recourir à votre à un vocabulaire personnel. La deuxième manière, vous pouvez relever des indices textuels. Mais attention, ces indices doivent être insérés, intégrés dans vos réponses pour que le paragraphe soit cohérent. Voilà les deux manières pour justifier une question de compréhension. Merci. Moi, je vais répondre à la question 3. Alors, je rappelle d'abord la question. On nous demande comment répondre si la question demande plusieurs éléments de réponse. Par exemple, quels sont les sentiments du personnage ou bien quelles sont les conséquences de la guerre. Alors, la réponse à donner à cette question, elle va se faire selon, si la consigne hein, demande combien il faut donner d'éléments, combien d'indices il faut donner. Il faut respecter la consigne. Si la consigne demande de relever deux éléments, il faut mettre deux éléments dans la réponse. Mais si la consigne ne précise pas le nombre d'éléments qu'il faut donner, il faut regarder la question. Donc, à partir du moment où la question comporte « qu'elle » au pluriel, donc là, il faut donner au moins deux éléments. Donc, pas moins de deux éléments. Alors, je donne un exemple. Si, par exemple, on demande de relever deux sentiments différents, alors l'élève peut répondre un sentiment de tristesse. Non, ce n'est pas nécessaire, je pense. Oui, donc vous allez répondre, le personnage éprouve un sentiment de tristesse. Il ne faut pas dire tristesse et peine, parce que tristesse et peine sont deux sentiments qui sont pratiquement, donc ces deux mots sont pratiquement synonymes. Donc c'est le même sentiment. Donc pour que les sentiments soient différents, il faut dire par exemple, donc le personnage éprouve un sentiment de tristesse et de regret, ou bien un sentiment de tristesse ou de remords, pour que là, l'élève soit noté sur les deux sentiments. Donc il faut éviter d'employer la même chose, de se tromper sur, il faut deux effets différents. Absolument. Parce que très souvent, on remarque que les élèves, parfois, croient qu'ils ont répondu à la question en donnant les deux éléments, mais en fait, ils ont répété la même chose. Et donc, c'est dommage de perdre des points. Voilà pour la question numéro 3. Je pense que Mme Gharbi sera chargée de la question suivante. Mm-hmm. Mme Gharbi. Merci, Mme Achour. Alors, moi, je vais répondre à la question comment répondre à une question qui porte sur les procédés d'écriture. Avant de répondre à cette question, il faut vérifier si la question qui porte sur les procédés s'inscrit dans une option, dans une optique plutôt de justification. Par exemple, vous avez une question de compréhension ramifiée. Dans le petit a, on vous demande de répondre à une question. Et dans le petit b, on vous demande de justifier votre réponse par un procédé d'écriture. Alors là, pour que la réponse concernant le procédé ait un sens, il faut d'abord répondre à la question. Sinon, le procédé n'aura pas de sens. On ne peut pas justifier si on n'a pas répondu. Maintenant, je passe à la réponse à la question elle-même. Alors, comment répondre à une question de compréhension portant sur un procédé d'écriture? Eh bien, cette étape comporte deux parties. Dans la première partie, il y a deux volets. Il faut d'abord identifier et nommer le procédé. Par la suite, il faut donner un exemple tiré du texte. Alors là, il faut savoir que si vous nommez le procédé et que vous ne donnez pas l'exemple, par exemple, vous dites une métaphore, et vous ne donnez pas un exemple, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas noté. De la même façon, si vous donnez un exemple et si vous ne nommez pas le procédé, ça ne compte pas. La deuxième étape concerne en fait l'explicitation de l'effet de sens. Et là, il faut montrer ce que ce procédé a de particulier, dans quelle mesure il approfondit la question, il appuie votre réponse. Donc, le choix de l'exemple ou du procédé doit être pertinent et surtout en rapport avec la question posée. Un dernier conseil maintenant. Si on vous demande de relever un procédé,
relever un seul procédé. Ça ne sert à rien de relever deux ou trois procédés. Ça ne compte pas. De la même façon, si on vous demande de relever deux procédés d'écriture, faites en sorte qu'ils soient différents. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de relever deux métaphores, mais relever une métaphore et une antithèse, une métaphore et une énumération. Voilà. Oui, justement, à propos de la question de compréhension, juste, je voudrais bien ajouter quelque chose. C'est que parfois, on peut tomber facilement sur une question ramifiée, genre A et B, une question qui comporte deux parties. S'il vous plaît, répondez séparément à cette question. Et je renvoie bien sûr la parole à la régie. À vous. شكرا للأسئلة ننتقل للأستوديو الفرعي نستناو في أسئلتكم على الرقم 71 845 300 أو على الرقم 71 848 808 أستاذة جليلة Oui, plusieurs questions sont parvenues ici au standard. Plusieurs élèves demandent pour la partie langue, par exemple, quelles sont les questions qu'il faut réviser ou bien sur quoi peuvent porter les questions de langue. Que veut dire expliciter le rapport logique par un moyen grammatical? Ou encore, est-ce que je dois identifier avant de répondre à la question? Voilà, merci. À vous. Je vais répondre à la première question. C'est celle qui traite le... bien sûr, concerne la grammaire, sur quels faits grammaticaux peuvent porter les questions de langue? Quelles sont les leçons de langue qu'il faut préparer? C'est bien ça la question? Oui. Oui. C'est déjà une question ramifiée, ça. Bon. D'abord, je vais répondre séparément à cette question. Bon, les leçons de langue, ça touche bien sûr des grands axes. Il y a de grands axes dans ces leçons-là. Bon, il y a le discours, d'accord. Il y a les rapports logiques et il y a les modes et les temps. Mais une question de langue peut également toucher d'autres leçons, d'accord, que vous avez étudiées. Les types et les formes de phrases, la substitution, la nominalisation, temps du récit, d'accord? Donc, à part les grands axes, il faut, bien sûr, donner de l'importance aux autres leçons de grammaire. Et je cède la parole, je crois, à Madame Khamessi. Je vais essayer de répondre à cette question très intéressante. Que signifie cette consigne expliciter le rapport logique par un moyen grammatical? Oui, la question est pertinente. Vous savez que les rapports logiques de cause, de conséquence, de concession, de position, etc., servent à exprimer, ce sont des liens, à vrai dire, si vous voulez, des liens qui servent à exprimer l'enchaînement des idées, à enchaîner des idées, qui servent à exprimer peut-être un rapport de sens entre des phrases, entre des propositions différentes, etc. Eh bien, ces liens peuvent être explicites ou implicites. Alors, implicites, cela veut dire que les propositions sont juxtaposées, séparées tout simplement par un signe de ponctuation, point, point, virgule, virgule, etc. Eh bien, expliciter, cela veut dire essayer de rétablir ce lien. Peut-être que je dois m'appuyer sur un exemple. Je vais écrire un exemple au tableau. Donc, le souvenir était très précis. Jeanne en était profondément bouleversée. Voilà. Donc, phrase « Jeanne en était profondément bouleversée », c'est la conséquence de l'impact du souvenir. C'est une conséquence. Seulement, le rapport entre les deux propositions, c'est un rapport implicite. Donc, les deux propositions sont séparées,
sont juxtaposés, donc juste il y a le signe de ponctuation. Si on vous demande d'expliciter ce rapport implicite de conséquences, donc ça c'est un, si vous voulez, rapport implicite. Pardon. Oui. طبعا مليح تجيه من بعض طلبة من بعض تلامذة يحبوا أنك تكبر أكثر ما يمكن في المكتبة. Okay. Donc rapport implicite de conséquences. Alors je vais essayer de l'expliciter en introduisant tout simplement un moyen grammatical. Donc expliciter un rapport implicite, cela veut dire remplacer le signe de ponctuation par le moyen grammatical adéquat. Par exemple, ici, une conjonction, une locution conjonctive de subordination. Si bien que, pardon, je vais écrire en... Donc, le souvenir était très précis. Si bien que Jeanne en était profondément émue. Je peux faire d'autres transformations. Par exemple, le souvenir était si précis que Jeanne en était profondément bouleversée. Là, c'est une conséquence liée à un degré d'intensité. Donc, je récapitule. Un rapport implicite, rapport logique implicite, c'est-à-dire les propositions où les phrases sont juxtaposées par des signes de ponctuation. Lorsqu'on nous demande d'expliciter, je remplace ce point, ou bien ce point-virgule, ce signe de ponctuation, par le moyen grammatical adéquat. Bon, un petit mot sur les moyens grammaticaux, ça peut être des conjonctions, locutions conjonctives de subordination, ça peut être des prépositions ou locutions prépositives du genre faute de, pour, afin de, etc. Des adverbes, alors, des locutions adverbiales, dès lors, etc. Voilà. Merci. Voilà. Je passe la parole à une autre, à Madame Achour, je crois. Madame Achour. Moi, je vais répondre à la question qui touche le vocabulaire. Alors, comment répondre à une question donc, quelles sont les questions qui peuvent porter sur le vocabulaire? Alors, concernant le vocabulaire, on peut travailler sur la synonymie, l'antonymie, la polysémie, hein, les mots qui peuvent changer de sens en fonction du contexte dans la phrase. Ça peut être la nominalisation, etc. Alors, je vais présenter aussi un petit exemple. Là, j'ai travaillé sur un exemple du bac de 2013. Alors, cet exemple, je l'écris au tableau. Madame Taïsir, tfadal. Alors, tu vas dévorer des centaines, peut-être des milliers de livres. Alors là, bien entendu, le travail va porter sur le verbe dévorer. Donc, la première question qui a été posée, c'est de donner le sens du verbe dévorer dans le texte. Ça veut dire lire avidement. Puis, alors la deuxième question, elle va demander aux élèves de construire une phrase personnelle dans laquelle le verbe dévorer va avoir un autre sens différent de celui qui a été utilisé dans le texte. Ça, c'est un exemple. Bon, bien entendu, on peut donner beaucoup d'autres exemples, comme c'est un exemple qui a été donné aussi au baccalauréat, une phrase dans laquelle on a le mot « saine », hein, comme donc « saine ». Alors, bien sûr, il y a le sens du texte, mais le mot « saine », on sait tous qu'il peut avoir de nombreux sens, comme une scène de théâtre, donc « scène de théâtre ». Ça peut être aussi la scène d'un crime, hein, une scène de crime.
c'est le lieu où a eu lieu le crime. Ça peut être une scène de ménage. Donc, l'élève est amené à donner le sens du texte d'abord, puis de travailler sur un autre sens, éventuellement à travers une phrase qu'il fera de manière personnelle. Voilà à peu près ce qu'on peut donner comme question. شكراً أستاذة فوزية بن عاشور. ثم إضافة؟ سي زيين؟ ثم سؤال تسأل قبيلة وجاوبت عليه مدام غربي وإن شاء الله جاوبنا عليه مرة أخرى للناس اللي التقت بينا اللي هو يجاوب على السؤال قبل وبعد يعمل جستيفيكاسيون وإلا تفضل. C'était une question sur les procédés d'écriture comme justification. Alors voilà, si vous avez une question sur les procédés d'écriture, et c'est une question qui est ramifiée. Dans le petit A, vous répondez à la question. Et dans le petit B, vous justifiez par un procédé d'écriture. Alors, il faut d'abord répondre à la question, puis justifier votre réponse par, par un procédé d'écriture. Sinon, la réponse, la justification n'a pas de sens. Par la suite, la question sur le procédé en lui-même. Il faut d'abord, la réponse à une question qui porte sur les procédés. Il faut d'abord nommer, identifier et nommer, trouver le procédé, une métaphore, une comparaison, puis l'illustrer à partir du texte, c'est-à-dire prendre un exemple du texte. Je mets comparaison et je trouve deux points et je mets. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est, c'est l'explicitation de l'effet de sens. Et là, c'est dire dans quelle mesure ce procédé que j'ai choisi répond à ma question, justifie ma question et l'enrichit, l'approfondit. Et là, c'est là où apparaît l'intérêt du choix du procédé. Il faut qu'il soit pertinent d'abord, mais aussi en rapport avec la question. Ce n'est pas n'importe quel procédé que je prends. Là aussi, j'ai essayé d'attirer votre attention sur le fait que quand on vous demande de relever un procédé d'écriture, relever un seul procédé d'écriture, parce que quand vous donnez deux ou trois procédés, de toute façon, ça ne compte pas et c'est une perte de temps. Mais quand on vous demande de relever deux procédés d'écriture, alors faites en sorte qu'ils soient différents. Je relève une métaphore, par la suite, je relève une énumération, une antithèse. Voilà. باش تربح اذا النقاط الكل يلزمك تجاوب على السؤال وبعدك تعلل اجابتك. الكلمه للاستوديو الفرعي مره اخرى. تفضل مدام جليله. انت في الاستماع مدام جليله. alors nous arrivons c'est Fawzi. oui تفضل. nous arrivons maintenant au troisième lot de questions qui porte sur l'essai et en voilà les questions. question 1. le sujet proposé a-t-il un lien avec les thèmes du programme? 2. Est-ce que le sujet proposé a un rapport avec le texte de l'épreuve? 3. Faut-il toujours opter pour la démarche thèse, antithèse, synthèse? Et enfin, quatrième question pour l'instant. Combien de lignes doit-on écrire dans un essai? Y a-t-il un nombre de lignes qu'on ne doit pas dépasser? Shukran, Ustaz Fawzi. Naoudou ila l'studio. Je connais bien le calme. Madame Fatma. Je vais répondre à la première question. Vous demandez si le sujet a un lien avec les thèmes du programme. Oui, bien sûr, c'est toujours le programme. Nous travaillons sur des thèmes littéraires, des thèmes d'actualité, des thèmes culturels selon la section. Et le partage, l'engagement, l'amour, la liberté. Vous êtes donc appelé à réinvestir vos acquis développés tout au long de l'année. Et comme nous l'avons déjà mentionné, il n'y a pas de cloisonnement entre les thèmes. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, un sujet qui porte sur le souvenir et vous pouvez puiser dans le thème de l'amour, vous pouvez puiser des arguments dans le thème de la guerre. Voilà, c'est là. Et là, je crois, je ne sais pas, Monsieur Zayen, est-ce que vous voulez... Oui, c'est à propos de la question, est-ce que le sujet proposé a un rapport avec le texte? Bon, je dirais que le texte présente toujours un point de départ pour le sujet. D'accord, c'est toujours un point de départ, mais ce n'est jamais le sujet. D'accord, donc ce n'est qu'une mise en situation. D'accord, il ne faut pas confondre cette citation avec la consigne. D'accord, donc je répète, le sujet de l'essai, d'accord, a pour point de départ le texte, mais ce n'est pas le sujet.
Et je crois que c'est Madame Khamessi. Je vais répondre en trois, c'est ça? Oui, oui. Madame Taysir, si vous permettez, التكست هو نقطة بداية لا أكثر ولا أقل، ما عندوش حد علاقة ولا هو يعني بداية نقطة بداية للسجل المطروح هذا حسب ما فهمت هكذا زي. C'est une mise en situation, juste une mise juste en situation. Juste يحطك en train de marche. باش أنت تفهم السجل متاعك. Voilà. Donc on peut faire une liaison entre le texte et le sujet proposé. Voilà, je vais essayer de répondre à la question. Je vais lire la question. Faut-il toujours opter pour la démarche dialectique, thèse, antithèse et synthèse? Une question qui porte sur la méthodologie de l'essai, sur la démarche à suivre. Bon, au fait, vous ne disposez, chers élèves, que d'une heure. Une heure seulement pour pouvoir traiter le sujet posé. Autre chose, la technique de l'essai est légèrement différente de celle de l'expression écrite ou de la dissertation. Donc, faute de temps, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas assez de temps, vous ne pouvez pas adopter le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Par contre, vous pouvez opter pour la position catégorique, c'est-à-dire être pour ou être contre. Vous développerez votre point de vue dans une partie divisée, par exemple, en deux ou trois paragraphes. C'est faisable. Autre démarche possible, c'est la position nuancée. Oui, mais, ou bien non, mais. Là, l'élève va, vous allez vous positionner par rapport à un point de vue adverse. Bon, c'est-à-dire, vous allez essayer d'imaginer ce que l'autre pense. Et en imaginant ce que l'autre pense, en tenant compte du bien fondé du point de vue adverse, vous allez renforcer davantage votre argumentation. Donc, vous pouvez commencer dans une première partie, bien sûr, tout ça après l'introduction. Dans une première partie, vous évoquez les arguments adverses et dans la deuxième partie du développement, vous évoquez, vous analyserez votre argumentation, vos arguments, vos exemples, votre opinion personnelle. Mais attention, je voudrais attirer l'attention de nos chers élèves sur un point bien très important, c'est qu'il ne s'agit pas de présenter deux parties contradictoires, c'est pas ça. Vous allez tomber dans l'incohérence. Il s'agit de trouver un fil conducteur de la première partie, même du début, de l'introduction jusqu'à la fin, qui va assurer la cohérence de votre essai. Donc, vous devez employer des modalisateurs du genre « il est vrai que quelquefois, parfois, souvent, certains », donc des modalisateurs et des structures de transition pour que votre essai soit cohérent. Bon. Je récapitule. Voilà. Donc, le thèse, antithèse, synthèse, faute de temps, il serait difficile d'adopter ce plan. Deuxième point, oui, la plupart des sujets nécessitent un point de vue nuancé, mais vous pouvez opter pour les élèves peuvent opter pour la position catégorique. Je voudrais dire aux élèves, le jour de l'examen, vous êtes les seuls maîtres à bord. Donc, vous choisirez le plan qui conviendrait le mieux au sujet posé et à votre pensée. Deux petits conseils, bien sûr. Évitez leur sujet. Ne faites pas ce dérapage hors sujet. Deuxième point, faites attention à la cohérence. Voilà. التخطيط مهم جدا لبناء الموضوع. ثاني حاجة يلزم الواحد يتقيد بالموضوع. ثم إضافة فيما يخص الموضوع هذا؟ Bon, juste, je rebondis juste sur un point. Les élèves, en général, ils ne maîtrisent pas toujours bien les transitions entre les parties. Ouais. Donc, dans une première partie, ils vont vous dire ça c'est blanc, et après ils vont vous dire ça c'est noir. Donc, évitez justement, c'est trop brutal. Il faut arriver à trouver une transition qui puisse passer donc, de manière aisée de la première partie où on a défendu une idée ou à la deuxième partie où on va nuancer un petit peu cette idée. Il ne faut pas que ce soit opposé. Oui. Ça, c'est important. C'est important.
Puis je vais justement continuer toujours sur le... Il y a une autre question que j'ai écrite tout à l'heure. Les élèves nous demandent, et nos élèves nous le demandent tout le temps, hein, combien doit-on écrire? Combien de lignes, madame? Combien doit-on écrire? Est-ce qu'il y a un nombre de lignes à ne pas dépasser? Bah, écoutez, on ne vend pas les notes selon la quantité de phrases que vous écrivez. C'est ce que je leur réponds d'habitude. Donc, c'est ce que je vais répondre aujourd'hui. Le problème n'est pas un problème de quantité. C'est un problème de qualité. La qualité, c'est-à-dire, il faut d'abord que l'élève réponde au sujet, d'abord, qu'on lui a posé. Il faut qu'il y ait une progression. Il faut que les arguments soient bien choisis. Il faut qu'il y ait quand même un devoir où l'on sent qu'il y a une cohérence entre les idées, entre qu'il y a une progression, donc du début jusqu'à la fin du devoir. Bon, c'est ça, c'est essentiellement, ce qui est le plus important. On leur conseille de ne pas écrire beaucoup trop. D'abord, ils n'auront pas le temps de le faire. Hein, en une heure de temps pour l'essai, c'est impossible d'écrire beaucoup de choses. Il ne faut pas chercher à tout dire, il faut sélectionner. Donc, ne pas écrire un essai trop long, ne pas écrire non plus quelques lignes, et on a déjà vu ça. Lorsqu'on corrige le bac, on trouve des élèves qui répondent en 3-4 lignes. 3-4 lignes, ce n'est pas un essai. N'oubliez pas, l'essai, c'est sur 10 points, c'est la moitié de la note. Donc, écrire un essai clair, où il y a une cohérence, où il y a une progression, mais ni trop long, ni trop court. Voilà ce qu'on vous demande. Sinon, alors, on va leur dire, régalez-nous. Hein. Oui. Oui, à propos, Madame Achour, oui, on a vu des essais avec seulement 3 lignes, mais on a vu aussi des essais bien faits, oui, où il y a beaucoup de lignes. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, il faut dire cela, bien sûr, que les élèves, nos élèves aussi, savent écrire des essais. Oui. S'ils sont capables de le faire, eh bien, qu'ils nous régalent. Voilà. Attends que ça. Voilà. Juste, je voudrais insister encore un peu sur les transitions, parce qu'il ne s'agit pas, je répète encore une fois, il ne s'agit pas de deux paragraphes opposés. C'est pas ça. Vous, les élèves, vous pouvez choisir une structure de transition qui fait le lien, la première partie vers la deuxième. Ou bien un petit paragraphe, vous récapitulez le point de vue adverse, puis vous relancez le débat par une question. C'est faisable aussi. L'essentiel, pensez à la cohérence. Voilà. Oui, encore pour justifier bien sûr l'avis de Mme Khamesi, il n'y a pas d'opposition. On peut dire qu'il y a une concession entre les deux parties. C'est plutôt une relation de concession et non d'opposition. Nasaïh Qaïma, nous allons au studio Farai. Mme Jalila. عندك أسئلة أخرى؟ تفضل مدام جليلة. Oui, au vrai sens du mot, le standard va sauter ici. On ne cesse de poser des questions. Alors, on a résumé quelques-unes. La première, pour l'essai, donc, doit-on toujours poser une ou deux questions à la fin de l'introduction? Peut-on citer des exemples d'écrivains arabes, c'est-à-dire ceux qui n'ont écrit qu'en arabe? Et la troisième question que nous avons aussi eue ici, en conclusion, faut-il toujours finir par une question? Voilà, merci à vous. Shukran, madame Amel, afouan. Tafadhal. Oui, pour la première question, je voudrais bien y répondre. Alors, j'ai noté, doit-on toujours poser une ou deux questions à la fin de l'introduction? Non, les questions ne sont pas obligatoires, sauf qu'elles ont l'avantage de fusionner le plan et la problématique. Mais vous pouvez toujours annoncer votre plan par une phrase déclarative. Donc, il n'y a pas de problème. Les questions ne sont pas du tout obligatoires pour annoncer un plan. Monsieur Zayen, je crois que vous avez envie de répondre. Oui, à propos de la question, c'est peut-on citer des exemples d'écrivains arabes? Oui, je sais que ça. Oui, on ne cesse de nous poser cette question-là en classe. Je dirais pourquoi pas, si l'exemple est pertinent, mais il vaudrait mieux privilégier les écrivains d'expression française. D'accord. Donc oui, pour les écrivains arabes, si l'exemple est pertinent, mais toujours la priorité, c'est pour les écrivains d'expression française. D'accord.
on parlera de Baudelaire comme on parlera de Taher Ben Jelloun, parce que Taher Ben Jelloun, c'est un écrivain arabe d'expression française. On parlera de Kateb Yassine aussi comme on parlera de Victor Hugo. D'accord. Donc, nous ne sommes pas contre la présence des écrivains arabes, mais bien sûr, la priorité, c'est pour les écrivains d'expression française. Si l'exemple est pertinent, vraiment est pertinent, et il y a un risque que l'essai se transforme en, on sait pas, en une argumentation de littérature arabe ou bien autre chose, là, ils ont, bien sûr, il y a une autre matière où ils peuvent exposer ça, bien sûr. Madame Taïsir, voilà. Oui, ils travaillent un programme. Ils travaillent sur des écrivains français et francophones, c'est-à-dire d'expression française. Taher Ben Jelloun, beaucoup d'autres, Amin Maalouf, etc. Donc ils peuvent s'inspirer. Et puis il y a tout un programme. Donc si je confirme ce que vient de dire Cisayenne, si l'exemple arabe est hautement et très pertinent, ok, d'accord. Mais sinon, ils ont un programme, ils ont travaillé sur les écrivains engagés, les écrivains qui ont évoqué la guerre, la liberté, etc. Que ce soit arabe ou français, mais d'expression française. Voilà. Je voudrais répondre à la question. C'est ça, faut-il terminer la conclusion? Oui, faut-il terminer par une question? Par une question, oui. Voilà. C'est ça, j'ai noté cette question. Hein? Voilà. Faut-il terminer la conclusion par une question? Demandent les élèves, n'est-ce pas? Mm-hmm. Encore une question de méthodologie. Non, ce n'est pas obligatoire. La conclusion, c'est une récapitulation du développement, c'est une réponse claire à la question posée. Donc, l'élargissement du débat, c'est une étape facultative, c'est-à-dire elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez, chers élèves, commencer votre conclusion par un articulateur de conclusion. En somme, somme toute, il est donc clair que finalement, il apparaît que, etc. Puis vous récapitulez et vous donnez une réponse claire, précise à la question posée. Cela est suffisant. D'accord? Voilà à peu près deux petits conseils quand même, deux petits conseils. Prenez soin de votre écriture qui doit être très lisible, qui doit être lisible. Et voilà, prenez soin de la mise en page qui doit témoigner de la clarté de votre pensée et de la clarté de la démarche adoptée. Voilà. Alors, je voudrais ajouter un petit détail pour les élèves. Moi, je leur conseillerais de ne pas utiliser les stylos fluo. Mmh. Les stylos fluorescents, le turquoise ou le vert, ça fait très très mal aux yeux. Et puis bon, ils ne sont pas très très lisibles. Mmh. Donc les élèves en général les utilisent pour les citations, etc. Donc je pense qu'ils devraient éviter cela. Stylo l'ahmar, stylo l'azraq, stylo l'akhal, kafin, tout le chose. Et dans le cas de Jamil, stylo bleu, c'est pour les correcteurs. Stylo bleu et stylo vert. Et dans le cas de Jamil, on a déjà vu ce qu'il kahatma. خاطرش ثم فتح افيق نجمو نفتحو افيق يكون احسن وخير حسب ما قالت لنا l'étape obligatoire c'est récapituler et donner une réponse claire à la question posée. D'accord. Donc l'élève peut commencer par un articulateur de conclusion, il récapitule, il donne une réponse précise à la question, cela est suffisant. Voilà. Pour l'ouverture d'horizon, c'est ça, c'est ce que les élèves appellent. Ils sont habitués à ce mécanisme en arabe. Ils risquent, en posant une question, de montrer qu'ils n'ont pas répondu, en fait. C'est la question à laquelle ils auraient dû répondre. Donc, il vaut mieux, bon, s'il y a une question vraiment très pertinente et que l'élève est sûr de lui, pourquoi pas. Comme l'a bien dit Mme Khamessi tout à l'heure, l'élève est seul maître à bord. Mais il vaut mieux, lors le sujet, j'ai une question, pensez-vous, je dois trouver ma réponse. C'est un peu comme une démonstration en fait, donc il n'y a pas de... Je me souviens du numéro de téléphone 71 845 300 ou 71 848 808. Tout le monde est le studio. S'il vous plaît.
Alors, voilà encore des questions qui portent sur des points très précis, juste pour dissiper un peu les confusions des élèves. Questions, et un grand nombre de questions. Quelle est la différence entre antithèse et antiphrase? Qu'est-ce que comme exprime tout, non, est-ce que comme exprime toujours la comparaison? À partir de, question suivante, à partir de combien de mots je peux dire qu'il y a un champ lexical? Est-ce que le relevé de vocabulaire péjoratif, amélioratif est considéré comme un procédé d'écriture? L'ironie est-elle un procédé d'écriture? Peut-on évoquer des exemples personnels dans l'essai? Et beaucoup d'élèves voudraient savoir comment faire, comment passer d'une phrase active à une phrase passive et comment passer du discours direct au discours indirect. Et voilà. Chokran Ostéd Fawzi. Je vais répondre à la question concernant l'antithèse et l'antiphrase. Alors, bien sûr, l'antithèse est un procédé de l'opposition. Comme lorsqu'on dit, par exemple, dans l'exemple de Victor Hugo, Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Donc là, Hugo a opposé petit. Donc Paris est petit par la superficie, mais Paris est grand par son rayonnement culturel. Donc dans cette phrase, Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Donc il s'agit d'une opposition. Alors que l'antiphrase consiste à dire le contraire de ce qu'on pense, mais en laissant quand même comprendre ce qu'on veut dire. Hein, par exemple, je donne un exemple très concret. L'exemple, vous rencontrez quelqu'un qui est obèse, qui est très gros, et vous lui dites par exemple, oh, quelle taille de mannequin. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'antiphrase, dire le contraire de ce que je pense. Lorsque Voltaire, par exemple, dans le texte sur la guerre, dit de la guerre que cette magnifique entreprise, Voltaire ne veut pas dire que la guerre est magnifique, au contraire, il veut dire qu'elle est horrible. Donc, il emploie un procédé donc, qui est l'antiphrase pour montrer, pour souligner justement que la guerre ne peut pas être magnifique, que personne ne peut penser que la guerre soit quelque chose de magnifique. Je vais peut-être enchaîner sur la question sur l'ironie, puisque ça va dans le même sens. On pose la question concernant l'ironie, est-ce que l'ironie est un procédé d'écriture? Bien sûr, non, l'ironie n'est pas un procédé d'écriture. L'ironie, c'est un ton, c'est une tonalité du texte, c'est un effet de sens. En fait, l'ironie, si vous voulez, c'est l'antiphrase qui provoque et soutient, entre autres, hein, l'ironie. Donc, quand il y a une antiphrase, on peut penser que l'auteur, là, veut donc exprimer un point de vue de manière ironique. Voilà, donc les deux questions se rejoignent et c'est pour ça que je les ai un peu groupées. Donc l'ironie n'est pas un procédé d'écriture. Oui. Si ça y est. Oui. Alors, j'ai noté une question très intéressante et qui dit, est-ce que comme est toujours un outil de comparaison? Eh bien non, comme est un mot polysémique, il a plusieurs significations. Il peut avoir plusieurs significations. Et là, je vais donner des exemples. Par exemple, quand je vous dis, elle est comme un rayon de soleil. Et là, par exemple, comme est un outil de comparaison. Je peux dire, elle ressemble, finalement, elle ressemble à un rayon de soleil. Par contre, dans la phrase qui dit, si je prends une phrase, comme l'esclavage porte atteinte à la dignité humaine, il a été aboli. Comme ici est une expression de la cause, c'est une... d'ailleurs, je peux dire, l'esclavage a été aboli parce qu'il porte atteinte à la dignité humaine. Troisième cas possible, comme nous sommes heureux, là, comme, c'est une exclamation et comme exprime l'intensité. لحظة مدام غربي كي نعطيو الكلمة للأسود والفرعي باش يعطينا ملخص القول قبل أن نعود خاطر الوقت قرب ما عادش بكري. مدام جليلة تسمع فيها ولا مدام أمال تعطينا ملخص لأهم الأسئلة اللي جاتك؟ Justement, pour récapituler, nous avons donc reçu beaucoup de questions. Et pour récapituler, nous avons prévu une série de diapos qui va être lue par Madame Amel Zouaf. Madame Amel. Allô. Aslema.
Madame Amel. Oui, نسمع فيك. باش تعطينا ملخص. Oui, on va lire donc un récapitulatif de tout ce qui a été dit donc pendant cette séance. Alors, pour les questions de compréhension, donc c'est lire attentivement le texte, lire toutes les questions de compréhension avant de commencer à répondre, faire des repérages d'indices pour préparer les réponses aux questions et relire la réponse. En ce qui concerne la rédaction des réponses, donc on attire votre attention sur le fait que toutes les réponses doivent être rédigées, que vous devez éviter les tirer, employer des articulateurs, relire la réponse après l'avoir rédigée. Si la question comporte deux parties A et B, y répondre séparément, s'il vous plaît. Autre point, mettre les mots pris dans le texte entre guillemets, proposer des réponses dans son propre vocabulaire. De même, donc, la mise en page est très importante. Laisser un espace entre les réponses, ne pas oublier surtout de numéroter les réponses pour ne pas avoir de confusion. Les procédés d'écriture, donc identifier, nommer le procédé, relever dans le texte un exemple illustratif. Il faut l'expliciter, évidemment, pour l'effet de sens, en quelques phrases. Votre rédaction, ces trois étapes sont importantes pour répondre à la question sur les procédés. Il faut relever des procédés d'écriture variés, c'est-à-dire si on nous demande deux données, par exemple, donc... une comparaison, une énumération, un champ lexical, tout dépend du texte. Il faut se limiter. Madame Amel, سمحتي؟ من الطلبة ما همش قاعدين يسمعوا فيك بالباهي قالوا لك كان تتفضل تقرب أكثر الميكرو باش نجموا يسمعوك. D'accord. عاودهم الملاحظة هذه الأخرانية. D'accord. Il faut identifier et nommer le procédé, relever dans le texte un exemple illustratif, expliciter l'effet de sens en quelques phrases. Ce sont là trois étapes importantes pour répondre à la question sur les procédés. Il faut relever des procédés d'écriture variés, donc non pas deux comparaisons, par exemple, ou deux énumérations. Il faut se limiter aussi au nombre demandé, ne pas donner trois si on nous demande deux. C'est une perte de temps pour vous, cher élève. Pour les questions de langue, il faut lire la consigne attentivement. Répondre aux questions de langue, ne pas hésiter à faire des transformations nécessaires, donc s'il y a accord, sujet, verbe. Les insertions de l'auxiliaire, donc être ou avoir, et changement de mode, par exemple, pour ce qui est du subjonctif, du conditionnel ou autre. Donc, il faut aussi veiller au choix du mode selon la conjonction ou la locution conjonctive employée. En ce qui concerne la troisième étape, c'est-à-dire l'essai, c'est une partie importante du devoir. Il ne faut en aucun cas négliger l'essai. Il faut bien gérer les deux heures imparties à l'épreuve, qui sont deux heures, et consacrer une heure à l'essai. Et en dernier lieu, on vous dira donc de vous accorder le temps de relire toute votre copie. Ne pas oublier de formuler la problématique et d'annoncer le plan en fin d'introduction, de choisir la position qui convient le mieux, soit catégorique, donc vous dites vous êtes pour ou contre, ou bien nuancé. Il faut sélectionner les arguments et les exemples les plus pertinents. Il faut insérer des citations d'auteurs, cela donne du poids à la rédaction. Et vous devez veiller à la cohérence des idées, à la cohésion de l'essai. Cela en employant des modélisateurs, des articulateurs, des structures linguistiques adéquates, des insertions de citations d'auteurs et d'exemples. Il faut présenter une copie aérée et une écriture lisible. Veillez à la présentation matérielle. Les grandes parties de l'essai doivent être distinctes. Introduction, développement, conclusion. Merci. شكرا مدام أميل. Merci pour votre attention.